aujourd'hui pour vous aider à utiliser encore plus souvent vos marqueurs Stampin' Up, vos bons vieux Stampin' Rights. Alors, tout ce dont vous allez avoir besoin pour la technique, c'est des marqueurs et un bloc d'acrylique très, très, très propre. Alors, prenez le temps de le laver. Alors, vous voyez, moi, il est sale, mais je le mets à l'endos. Alors, la face que je vais utiliser doit être impeccable. Et je vous recommande un petit tapis Stampin' Pierce. Ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, vous allez commencer par votre couleur la plus pâle et vous allez venir colorer directement sur votre bloc d'acrylique. Alors, vous venez vous créer un carré de couleur en faisant un dégradé. Et là, amusez-vous. Là, ici, j'ai pris trois teintes différentes de mauve. Mais je vais vous montrer, j'ai fait la même chose avec des teintes arc-en-ciel et c'est super beau. Alors, il n'y a pas de limite aux couleurs que vous pouvez utiliser. Si vous avez des Stampin' Blends à la maison, ça ne fonctionne pas. Vos Stampin' Blends vont tacher votre bloc d'acrylique. Ça vous prend vraiment des Stampin' Rights. Quand c'est fait, vous venez réhumidifier, je dirais, l'angle en sortant le Marc Favreau en vous. Et regardez, le petit tapis, là, il sert ici, là. Pour avoir un petit peu de mou, ça va mieux étamper, vous allez avoir une plus belle image. Et regardez ce que ça donne avec un dégradé de mauve, avec un dégradé d'orangé et avec un arc-en-ciel. Alors, la technique se fait super bien, peu importe la combinaison de couleurs que vous allez utiliser. Si vous avez envie d'acheter du matériel Stampin' Up ou vous voulez avoir un catalogue à la maison, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.